Voici un tutoriel sur Audacity qui vous permettra de faire un balado. Bon, simplement, si je veux enregistrer ma voix, j'appuie sur le bouton rouge « Enregistrer ici ». Bienvenue sur ce balado qui vous permettra de découvrir l'application Audacity. Donc, une fois que j'ai terminé, j'appuie sur « Stop ». J'ai ma bande son qui est ici. Donc, dans Audacity, j'ai un petit curseur qui me permet, ou un outil de sélection qui me permet d'identifier des éléments que je voudrais supprimer. Donc, je les sélectionne et j'appuie sur « Supprimer » sur mon clavier. Donc, je vais avoir ici mon un élément audio. Bienvenue sur ce balado qui vous permettra de découvrir l'application Audacity. Pour ajouter une intro musicale à mon balado, ben, je peux prendre un fichier MP3 et venir le glisser dans Audacity. Je peux par la suite supprimer des éléments de la chanson qui ne seront pas utiles, donc la fin, donc c'est beaucoup trop long, je supprime cette partie-là. Je peux aussi, avec le bouton Loop, venir agrandir la section qui m'intéresse de mon balado. Et par la suite, ben, on va entendre clairement que la voix est beaucoup trop faible par rapport à la musique. Donc, ce que je pourrais faire, c'est venir sélectionner l'outil de niveau et venir identifier des points sur votre son, donc sur la bande son ici, qui va vous permettre de réduire la bande son au moment où je parle, comme ça. Réduire un petit peu encore. Donc, une fois que mon son est ajusté, je peux écouter ce que ça donne. Bienvenue sur ce balado qui vous permettra de découvrir l'application Audacity. Et je peux revenir aussi à tout moment sur les points que j'ai ajouté pour ajuster les nouveaux sonores. Une fois que j'ai terminé mon balado, je peux le partager donc en l'exportant en MP3. Donc, ça va me permettre d'avoir un petit fichier balado et de l'enregistrer.